On ne peut pas aujourd'hui enfermer les gens dans des frontières. Or, le monde a toujours fonctionné avec des pays bien limités, avec des frontières bien définies, avec beaucoup de paperasse pour franchir les frontières. Aujourd'hui, il est question de pouvoir franchir les frontières de façon libre, de façon presque spontanée. Parce que la mobilité est un facteur de civilisation. Et je suis heureuse que ce soit des socialistes, des gens de gauche en général, qui réfléchissent sur cette question. Parce que pour moi, comme l'environnement, comme le développement durable, c'est des thèmes qui doivent être pris en compte par les hommes et les femmes de gauche, parce que c'est un fait de civilisation. Les autres viennent avec leur apport. Ils viennent avec ce qu'ils savent faire. Ils viennent avec une main-d'œuvre. Ils viennent avec un état d'esprit. Et je crois que c'est tout cela qui peut renforcer à la fois l'esprit humain, la civilisation et l'économie. Parce que l'économie est le fait de l'homme. Si l'homme n'est pas ouvert, il ne peut pas réussir l'économie. Aujourd'hui, il y a des pays en développement dont l'économie est complètement morte parce qu'ils n'ont pas ce souffle nouveau qu'apportent les migrants pour pouvoir faire un bond en avant. Et je crois que cela est important. Donc, il ne sert à rien de dire « donnons d'abord le travail à nos enfants ». Parce que le fait d'empêcher les autres d'entrer ne donne pas pour autant le travail aux enfants. Voyez la récession économique dans laquelle l'Europe est aujourd'hui plongée. Est-ce que c'est le fait d'empêcher les gens de venir en Europe qui va faire qu'on arrive à amorcer le développement? Je ne crois pas. Il y a une politique que nous devrions tenter. C'est la politique du co-développement. Pourquoi aujourd'hui les Européens peuvent se déplacer en Afrique, exploiter les matières premières africaines, exploiter nos réseaux de services? Si vous allez en Afrique, l'eau, le téléphone, l'électricité, les routes, beaucoup de choses sont gérées par des Européens de façon libre. Pourquoi aujourd'hui ne pas créer le flux contraire, faire de telle sorte que des Africains viennent en Europe, acquièrent cette expérience-là et retournent gérer les ressources naturelles de leur pays? C'est ça pour moi le sens du co-développement. Si aujourd'hui, moi au Sénégal, je subis des violences telles que on n'a pas besoin que le Sénégal soit en guerre contre un autre pays. On a seulement besoin que le Sénégal soit violent contre ses propres citoyens. Mais je parle partout, je donne l'exemple du Sénégal parce qu'il n'y a rien au Sénégal. Mais il y a tous ces pays-là où les gens subissent, particulièrement les femmes et les enfants. Alors pour les enfants, la législation internationale, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile en termes d'asile. Mais pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les hommes, n'en parlons pas. Donc je crois qu'il faut assouplir toutes ces règles-là pour que le droit d'asile devienne un droit commun, pas un droit d'exception. Vous avez vu comment les fonctionnaires du droit d'asile se comportent de façon tout à fait froide. La personne arrive, elle est considérée comme un dossier comme un autre. On n'essaie pas de savoir ce qu'elle a vécu, on n'essaie pas de savoir ce qu'elle vit au fond d'elle-même. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue. Et puis voilà, quelqu'un considère, en ouvrant la bouche de l'enfant, est-ce que c'est un enfant mineur? Est-ce que vraiment c'est un adulte qui essaie de se masquer en enfant? Et le tour est joué en 5 minutes. Et nous sommes des hommes, nous parlons de civilisation, de souffrance humaine. Je crois que c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui revoir de façon beaucoup plus pointue. Comme je l'ai dit, le droit d'asile, il ne doit pas être un droit exceptionnel, il doit être un droit commun, général, un droit ouvert à tout le monde.